Bien bonjour, continuons à explorer l'interprétation de Mars dans les signes astrologiques, avec cette fois Mars en balance, un signe d'air. Donc je vais reprendre les caractéristiques de la planète Mars. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui est spécifiquement consacrée à Mars. Et ensuite, nous verrons comment Mars s'interprète en balance sur les différents niveaux, c'est-à-dire les qualités, ce qu'un porteur de Mars en balance peut rechercher à avoir dans sa vie, sur les actions qu'il peut entreprendre, impulsées, influencées par cette configuration astrologique. Nous parlerons des mirages, c'est-à-dire de ce qui, du point de vue de l'âme, peut être considéré comme une déformation, une expression inférieure des qualités du signe habité par Mars. Et de la façon de travailler, d'équilibrer, de dissiper les mirages présents. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur les maisons astrologiques pour vous faire une interprétation plus précise de votre configuration de Mars en balance, c'est-à-dire de voir dans quelle maison, hein, se trouve Mars en balance pour pouvoir y appliquer, hein, les thématiques, correspondant à la maison. Donc, Mars, planète de l'idéal, planète de la motivation, planète des désirs, planète un peu, si je puis dire, fougueuse, qui nous stimule à y aller vraiment, à nous investir, à chercher à avoir, à investir, les qualités du signe et de la maison dans lequel elle se trouve, ce qui peut aussi parfois nous conduire à avoir des réactions émotionnelles assez fortes, soit parce qu'effectivement on veut vraiment quelque chose et donc ça nous habite, hein, émotionnellement, soit parce que si on ne l'a pas, on va ressentir du manque, de la frustration, ou si on nous entrave à l'avoir, si des événements extérieurs, des personnes cherchent à nous bloquer dans l'expression des qualités du signe habité par Mars, ben ça peut justement créer aussi un rejet. Alors ça peut accompagner de tout un tas d'émotions diverses et variées. Hein, ça peut être de la colère, de l'irritation, ça peut être de la tristesse, ça peut être le sentiment un peu de perte d'énergie aussi, du désarroi tout simplement. Donc voilà, ça vient nous toucher avant tout émotionnellement. Donc c'est très personnel, hein, la configuration de Mars dans le signe et la maison. N'empêche que de par les expériences que l'on va vivre, ça va nous amener donc à travailler et à mieux comprendre, pour peu évidemment qu'on ouvre les yeux, hein, pour peu qu'on cherche à faire un travail de conscience par rapport à ça, donc à mieux comprendre les qualités du signe et de la maison habitée pour les vivre de la façon la plus juste possible. Et c'est là où on va parler justement de dissipation de mirage. Bien, continuons. Donc reprenons déjà les grandes thématiques, les grandes qualités de la balance avant de rentrer un peu plus dans les précisions de qualité, traits de personnalité, etc. Donc on pourrait dire que les thématiques principales de la balance sont celles de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice et de la justesse, de la beauté, de l'esthétique, ainsi que, et ça c'est vraiment une thématique importante, celle des justes relations. Hein, la balance pose la question de la justesse des relations que l'on peut entretenir déjà vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi donc vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde et donc de toutes les situations, les expériences que l'on va pouvoir être amené à vivre. Mars en balance peut donc activer, hein, ces thématiques, faisant de son porteur quelqu'un qui va avoir un niveau de sociabilité relativement élevé. Hein, pour dire les choses plus simplement, c'est une personne qui aime être entourée, qui aime pouvoir communiquer, partager, et qui est beaucoup dans une démarche un peu de coopération, de collaboration, de partenariat. C'est-à-dire que c'est la personne qui voit en l'autre un partenaire. Et ça en fait aussi des personnes qui accordent une grande importance au couple, hein, parce que quand on parle de partenaire, on va peut-être penser en premier lieu à son partenaire affectif, hein, donc dans la relation de couple, mais ça peut aussi être transposé dans le monde des affaires, c'est-à-dire que, ou le monde professionnel, c'est-à-dire que c'est la personne qui effectivement peut développer des partenariats, hein, sur le plan professionnel et qui recherche dans ses collègues de travail et même dans son entreprise, qui les voit un peu comme des partenaires potentiels. Voilà.
Et donc, tout ce qui est communication, tout ce qui est donc travail plutôt de collaboration plutôt que de compétition, c'est ce qui convient à la balance. Hein. La compétition, c'est pas trop sa tasse de thé, c'est pas là où elle va donner le meilleur d'elle-même. Hein. Au contraire, c'est plus cette notion de faire ensemble qui est important pour elle. Hein. Ça correspond à sa personnalité. Elle est adaptable sur le plan relationnel, c'est-à-dire que vraiment, elle peut s'adapter à des personnes avec des personnalités, avec des capacités, des compétences, des cultures différentes. Elle peut toujours trouver, ça c'est assez fort hein, chez un porteur de Mars en balance ou de l'énergie balance de manière générale, des sujets de conversation avec des personnes qui seront de domaines et de cultures, encore une fois, de milieux très différent. Hein, c'est la personne qui est capable aussi un peu de briser la glace dans des soirées, dans des réunions, qui est capable effectivement de trouver des points d'accroche, des points voilà d'affinité. Hein, c'est le mot que je cherchais avec autrui. Et comme elle n'est pas dans la compétition, elle va plutôt chercher à sans forcément à survaloriser l'autre, mais voilà à lui permettre aussi de s'exprimer, de partager, de donner son point de vue. Donc ça en fait plutôt quelqu'un encore une fois de non seulement sociable et adaptable, mais aussi d'amical, de plutôt diplomate. Hein, ça c'est un mot qu'on associe souvent à la balance, d'assez conciliant. Avec les autres, hein. Elle cherche pas à avoir raison comme d'autres signes du type, je sais pas, Bélier, Taureau, Lion, hein, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Elle est plutôt encore une fois dans le fait de partager des idées, des points de vue, faire circuler. Elle aime bien aussi aller voir des points de vue qui puissent être un peu différents des siens parce que pour elle c'est assez enrichissant. Et puis encore une fois, elle tire plaisir à l'échange, à la communication. Hein, à la limite, c'est plus le silence hein, qui peut la gêner et lui faire peur. Hein. Dans une relation de couple, si vous êtes Mars en balance et que votre conjoint, à un moment donné, se mure dans le silence, vous risquez de pas bien le vivre, hein, carrément. Vous préférez à la limite presque que la personne parle trop et des fois même parle un peu de façon abrupte plutôt qu'elle ne parle pas du tout. Donc c'est un signe donc en étant stimulé par Mars relativement dynamique qui est beaucoup dans le mouvement. Donc ça c'est un grand classique des signes d'air hein, le côté effectivement peu statique au niveau physique plutôt dans le mouvement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils savent pas se reposer, se détendre ou s'asseoir sur une chaise ou le canapé hein. C'est pas ça, mais c'est que ils sont d'un naturel plutôt dynamique. Mais avec la balance, contrairement peut-être au Gémeaux, qui est donc le premier signe d'air, il y a une recherche, encore une fois, d'harmonie. Et ça se voit aussi bien souvent dans leurs gestes. C'est-à-dire qu'il y a souvent une élégance, une certaine grâce qui ressort chez les porteurs de l'énergie balance. C'est pas des mouvements chaotiques, sauf s'il y a des configurations un peu bloquantes, hein, qui pourraient accompagner Mars en balance. Mais c'est plutôt une fluidité, c'est plutôt un mouvement continu qui se manifeste. Moi, j'ai tendance à conseiller à des personnes qui ont de l'énergie balance, quand elles ne vont pas très bien dans leur vie, de danser, de pratiquer la danse ou tout simplement de danser chez elles par plaisir. Parce que le fait d'être dans le mouvement, c'est ce qui leur permet aussi de se sentir vraiment exister, mais aussi d'exprimer, d'extérioriser ce qui peut bloquer à l'intérieur d'elles. Donc, c'est une façon aussi, le mouvement, d'exprimer qui on est et de faire sortir de soi peut-être des émotions, des tensions, des non-dits, etc. Et donc, il y a vraiment, bien souvent, hein, chez les porteurs de l'énergie balance, voilà, une élégance naturelle vis-à-vis, au niveau du mouvement. Hein. C'est la personne qui va pas faire des gestes. C'est assez aussi, comment dire, c'est pas que c'est dans l'efficacité, mais les gestes sont coordonnés et un geste n'est pas fait par hasard. Voilà. Les gestes ont aussi un sens, une utilité, il y a un côté aussi pratique, dans le mouvement. Après, c'est vrai que c'est aussi un signe de rigueur, d'ordre, d'organisation. Et donc, la balance, aime bien les choses qui soient ordonnées. Hein, c'est plutôt des personnes qui ont un environnement, personnel, professionnel, hein, quand elles peuvent effectivement le faire, hein, mais voilà, qui plutôt ordonner les choses, chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, et qui ont plutôt tendance à avoir des espaces pas très chargés.
Il y a une notion aussi un peu d'épuration, mais c'est toujours pareil, hein, c'est pour que le mouvement puisse se faire, mais aussi pour que les énergies, alors elle ne va pas le dire comme ça, hein, mais ça circule. Voilà, des pièces encombrées ou des pièces chargées, chargées de meubles, chargées d'objets, ça ne met pas très à l'aise en général les personnes qui sont du signe de la balance. Donc elles sont sensibles à la beauté, elles sont sensibles à l'esthétique, elles sont sensibles à l'harmonie, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des formes, et donc elles sont sensibles à tout l'espace dans lequel elles peuvent évoluer, et donc que ce soit un espace qui soit lui-même harmonieux et fluide quelque part. Ça peut aussi, ces aspects-là, donc se traduire par les vêtements. Ce sont des personnes qui sont plutôt soignées au niveau du choix des vêtements, du choix des couleurs, de la présentation personnelle. Et ça peut être aussi du coup des personnes qui peuvent avoir tendance à être facilement dans la séduction. Il y a, bon, c'est tous les signes d'air, hein, il y a un certain charme qui peut ressortir, mais un côté aussi charmeur. La balance aime bien plaire, elle aime même beaucoup plaire. Elle peut aimer plaire d'un point de vue affectif et donc être trouvée elle-même plaisante, mais elle peut aussi aimer plaire d'un point de vue purement physique, esthétique, et donc développer un certain côté aussi, activer son pouvoir de séduction. Et elle le fera de façon pas forcément ostentatoire, hein, mais avec un côté un petit peu, voilà, de délicatesse, encore une fois, d'élégance. C'est dans le mouvement, c'est dans les tenues, c'est dans le regard. C'est pas forcément très appuyé, mais n'empêche qu'il se dégage une certaine séduction de son attitude. Parfois, c'est pas forcément très conscient, mais c'est quand même présent. Alors évidemment, hein, je le dis pour toutes les vidéos consacrées à Mars, je suis dans des grandes généralités. Après, il faudrait voir l'ensemble de la configuration de la carte du ciel du thème de naissance. Et puis, ben, en fonction aussi d'autres attributs, du degré de l'émotionnel, certains aspects de Mars en balance peuvent être plus marqués que d'autres. Certaines personnes, par exemple, vont avoir un très fort sens de la justice. Bon, ça, c'est commun à tous les porteurs de Mars en balance, c'est la sensibilité à la justice et pour le coup aussi à l'injustice. Mais chez certains, c'est tellement marqué que ça devient vraiment l'aspect principal de leur vie. Et pour le coup, le côté plus, on va dire, esthétique, artistique, ça va être plus secondaire, hein. Donc, ça peut être des personnes qui vont s'investir un peu à la façon des justiciers. Certains, alors je parlais du complexe par exemple du héros avec Mars en Lion, du complexe du sauveur avec Mars en Poisson, chez un porteur de Mars en Balance, on peut avoir le complexe du justicier, c'est-à-dire vraiment la personne qui réagit de façon épidermique à tout ce qui va lui paraître être de l'ordre de l'injustice. Et qui va y aller. C'est un peu Zorro, hein, c'est les personnes qui veulent redresser des torts, arranger des situations, corriger ce qui n'est pas juste. Donc, ça peut vraiment en faire des personnes qui vont se mettre dans des situations où, effectivement, voilà, elles vont se battre, hein, Mars, pour une certaine forme de justice avec toutes les conséquences, positives ou négatives, hein, que cela peut avoir. Donc, la sensibilité à la justice, la sensibilité à l'harmonie, la sensibilité à l'esthétique, à l'équilibre, à la précision, à la rigueur, c'est un peu aussi le signe un peu des géomètres, des architectes, de ceux qui calculent bien les choses au millimètre près, de l'ajusteur aussi en mécanique, c'est-à-dire les personnes qui, lorsqu'elles doivent articuler des pièces ensemble, hein, comme dans des engrenages par exemple, s'assure que voilà, au millimètre, voire même encore plus petit que le millimètre, tout s'articule bien et que quand on va mettre la machine en route ou quand on va se servir de l'outil, ben, ça va tomber parfaitement et ça va, ben, toujours la notion de fluidité, ça va circuler, ça va être en mouvement, ça va pas accrocher, ça va vivre quelque part. Il va y avoir une énergie qui va pouvoir se mettre en route quelque part. Donc le diplomate, la personne qui va chercher effectivement l'égalité dans chaque chose, avec, alors j'en reparlerai par la suite, mais avec parfois des mirages, c'est-à-dire une tendance à confondre égalité et équité.
Hein, c'est par exemple le parent qui, voulant bien faire, hein, va donner la même chose à chaque enfant ou va traiter ses enfants de la même façon, sachant qu'en fait, chaque enfant a des spécificités, puisqu'il a ses propres qualités, ses propres centres d'intérêt, sa propre personnalité, et que tel enfant aura peut-être plus besoin de ceci et tel autre enfant plus lui besoin d'autre chose, et qu'effectivement, traiter les enfants exactement de la même façon, on est sur de l'égalité, mais on n'est pas forcément sûr de l'équité. Hein, c'est comme si on considérait que un enfant de 4 ans a les mêmes capacités qu'un enfant de 6 ans, hein, sous prétexte que voilà, on est sur de l'égalité, alors qu'en fait, ben voilà, ils sont pas en capacité de réaliser les mêmes choses. Et donc, effectivement, aller plus loin que l'égalité, travailler l'équité, ça c'est aussi important pour un porteur de Mars en balance et qui peut aussi l'aider à mieux comprendre ce qu'est vraiment la notion de justice, de justesse et donc de relation juste avec les uns et les autres. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes personnalités, on n'est pas tous dans les mêmes situations et donc effectivement, quand on veut faire ce qui est juste, il faut pouvoir déjà faire un peu un diagnostic hein, de la situation et de la personne que l'on a en face pour savoir ce qui peut vraiment lui correspondre si on veut lui apporter quelque chose. Voilà. Donc ce sont aussi des personnes qui aiment être entourées hein, au niveau réseau social, amical, qui aiment partager. Ce sont des personnes qui vivent très mal le célibat en général. Donc Mars en balance, c'est vraiment la stimulation à être en couple et à vivre la relation de couple, c'est-à-dire vraiment être dans le partage mutuel. C'est pas juste deux individus qui sont ensemble, c'est deux individus qui partagent une vie, un quotidien, des centres d'intérêt, des loisirs, qui communiquent aussi hein, encore une fois très important hein, pour un porteur de Mars en balance. Donc ils sont dans un véritable échange. Et en même temps, c'est un signe qui a beaucoup besoin de tranquillité, la tranquillité d'esprit, tranquillité émotionnelle aussi. Hein, c'est vraiment un signe qui peut avoir du mal avec les conflits. Et donc, il peut être facilement dans les compromis, dans les concessions, c'est-à-dire que quand il sent qu'il y a, je sais pas, une tension qui risque d'émerger au niveau de la relation de couple ou de la relation professionnelle, ça va être facilement ceux qui vont dire bon ben ok, je laisse tomber, hein, je ne dis rien, ça va éviter que ça prenne une tournure trop exacerbée, que ça parte en conflit. C'est moi qui cède, je fais un compromis, voilà. Et ça, c'est pareil qu'avec l'égalité et l'équité, ça peut manquer de justesse et faire qu'à un moment donné, de toute façon, il va y avoir une crise, il va y avoir un conflit majeur et ça va amener le porteur de Mars en balance à se confronter au mirage que j'appelle celui de la fausse paix, c'est-à-dire où on crée une paix de façade, c'est-à-dire on fait tout pour éviter les conflits, on évite de dire les choses qui pourraient fâcher on suit hein, ce que l'autre dit, ce que l'autre propose, ce que l'autre parfois même impose, mais à un moment donné, ça peut pas durer. C'est pas des situations qui sont tenables, parce qu'on n'est pas, sincère et honnête avec soi, et on n'est pas non plus avec l'autre. Et puis, pareil, on accumule de la frustration. Hein, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est pas une vraie paix. On sent bien que c'est quelque chose de voilà, de l'ordre du mirage, hein, de l'illusion, et que donc à un moment donné, ça va finir par craquer. Ce sont des personnes qui, sur le plan des actions, donc du faire, peuvent apporter, ou en tout cas chercher à apporter plus d'harmonie, ou comme je le disais, rééquilibrer, réajuster, remédier. C'est souvent des personnes que l'on va retrouver dans des positions de médiateurs, d'intermédiaires, ceux qui se trouvent entre deux, hein, entre deux parties, entre deux personnes. Autant ils n'aiment pas les conflits, autant ils sont capables, alors c'est pareil, ça va dépendre des porteurs de Mars en balance, hein, de se mettre au milieu d'un conflit. C'est-à-dire que si il y a deux personnes qui sont en conflit, deux personnes qu'ils apprécient, un porteur de Mars en balance va plutôt être celui qui va dire « Attendez, là, il va falloir régler les choses parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
Et donc voilà, ce sont des personnes qui peuvent jouer les rôles de médiateurs. Même professionnellement, on peut les trouver à des fonctions où ils vont occuper un rôle de ils vont être dans la médiation, ils vont être dans l'arbitrage peut-être. Et donc l'importance aussi de développer pour un porteur de Mars en balance, hein, l'objectivité, les capacités d'analyse, hein, parce qu'au départ, ils peuvent être très subjectifs par rapport à leur notion de ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bien, etc. Ou s'ils ont peut-être des préférences, hein, pour quand il y a deux personnes en conflit, deux personnes qu'ils connaissent et qu'ils ont consciemment, inconsciemment, une préférence pour l'une des deux personnes, ben ils peuvent favoriser en fait une personne plus que l'autre, en étant tout simplement peut-être plus à l'écoute, plus enclin à croire cette personne plutôt que l'autre, où ils prennent voilà qu'un avis et ils prennent pas l'avis complémentaire, voilà, voir qu'un côté un peu de la facette de la situation. Et donc ça, c'est aussi un travail qu'ils vont avoir à faire, c'est d'être vraiment dans l'écoute globale pour pouvoir être dans leur fonction, si je puis dire, hein, d'intermédiaire ou de médiateur, de la façon la plus juste possible. Donc c'est vraiment de dire à un moment donné, bon écoute, je vais prendre le temps de t'écouter toi, mais après je vais prendre le temps d'écouter la version ou ce que l'autre a à dire de la situation, de la raison pour laquelle vous êtes en conflit. Et après on verra comment les choses vont pouvoir être éclaircies. Ce sont des personnes donc qui peuvent aussi être dans des conseils un peu sur l'ordre esthétique, mais aussi tout ce qui est l'organisation, le rangement, l'ordre, un peu à la façon, je sais pas si vous connaissez la méthode de Marie Kondo, hein, le côté aussi bien ranger les choses, mais que ça ait aussi que ce soit plaisant à l'œil. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de l'ordre et de l'organisation, ça on peut l'avoir avec Mars en Vierge, mais avec la Balance, il faut aussi qu'il y ait un côté esthétique. Et donc par exemple, les vêtements dans la penderie peuvent être rangés aussi par couleur, hein, c'est-à-dire il y a une espèce de dégradé de couleur qui est plaisant à voir à l'œil. Donc il y a ce côté aussi de mise en ordre, mais c'est un ordre qui doit être beau, si je puis dire. Donc il y a voilà, souvent cette sensibilité-là et ce plaisir, hein, à créer aussi et à manifester une harmonie visuelle, une harmonie esthétique. Ils peuvent, alors certains peuvent avoir du mal à refuser la confrontation parce que c'est la paix dans ces cas-là qui est leur moteur essentiel, mais encore une fois, c'est pas la vraie. C'est la paix de façade, hein, c'est la paix de la tranquillité. Hein, on va éviter le conflit, on va éviter de mettre les pieds dans le plat, on va éviter que l'autre se mette en route. Donc, on ne dit rien. Et ça peut créer donc des situations aussi un peu de fuite, d'évitement, voilà, de non confrontation. Et on fait croire que ça fonctionne, mais en vrai, voilà, en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que parce qu'on fait semblant de. Donc effectivement, voilà, ils peuvent avoir à travailler sur leur rapport à je viendrai après, à ce qu'on appelle la cohérence interne, l'alignement. Donc ce sont des personnes qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, être stimulées à développer des formes de coopération, des formes de partenariat, des alliances, hein, ceux qui sont dans le monde des affaires, par exemple, ou ceux qui investissent dans un bien, mais avec d'autres personnes. Voilà, donc il y a des contrats signés, mais voilà, qui vont impliquer plusieurs personnes. C'est enfin la Balance, on dit qu'elle gouverne la loi, qu'elle gouverne les contrats, qu'elle gouverne le monde des affaires quelque part, et donc ça peut se retrouver chez un porteur de Mars en Balance qui peut avoir affaire à ces aspects-là, hein, tout comme la justice aussi, ou l'esthétique. C'est étonnant parce que la Balance, c'est vraiment un signe qui peut se retrouver vraiment partout. C'est difficile de lui attribuer un métier ou des métiers ou même des catégories professionnelles spécifiques parce qu'il peut se retrouver vraiment dans tous les domaines, aussi bien artistiques, scientifiques, intellectuels, manuels, à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 large comme possibilité au niveau professionnel. Mais on va retrouver des grandes tendances qui peuvent faire qu'on peut reconnaître à certains signes indicateurs un porteur de Mars en Balance. Donc hein, c'est toujours pareil, harmonie, équilibre, esthétique, justesse, justice. Voilà, c'est ces thématiques-là qui fait qu'on peut les reconnaître.
Donc, j'en ai déjà évoqué plusieurs, mais reprenons un petit peu plus les mirages auxquels peut être confronté un porteur de Mars en balance. Donc, comme je disais, le mirage de toutes les fausses paix, celles où on fait semblant d'aller bien. Alors déjà, on peut faire semblant d'aller bien par rapport aux autres, puis on peut aussi faire semblant que le couple va bien, que la relation à telle personne va bien, que ça va bien dans le travail ou autre, alors qu'en fait, on est dans une forme d'évitement, on est dans une forme un petit peu de non-dit, d'effacement. Voilà, on évite de dire des choses qui pourraient provoquer des tensions, voire un conflit. Donc c'est pas une vraie paix et ça ne tient pas forcément, hein, puisqu'à un moment donné, ce qui n'est pas équilibré ou ce qui n'est pas harmonieux, ben, se casse la figure, hein, tout simplement. Mais comme c'est un signe qui est aussi dans la communication, il y a forcément un moment où les choses vont sortir. Enfin, qu'elle le veuille ou non, elle va attirer ça aussi, hein. Il y a ça va s'exprimer, hein, de toute façon. Après, ça va dépendre de comment elle va réagir face à la crise, face au chaos, hein, qui pourrait survenir en cas de fausse paix, de faux équilibre. Mais en tout cas, ça ne peut pas rester, ça ne peut pas rester immobile éternellement. Donc, le mirage des coopérations faciles, où en fait, le porteur de Mars en balance a tellement besoin d'être associé à d'autres personnes qu'il va dire oui. Il va dire oui, alors pas absolument forcément à tout, hein, mais il va dire plus facilement oui que non. Il va encore une fois être dans une forme de suradaptabilité. Il peut en venir à porter des masques, c'est-à-dire qu'il prétend, il joue un rôle, il prétend qu'il est comme ci, comme ça, il pense ceci, pense cela. Mais derrière, c'est la peur du rejet, la peur de déplaire, la peur d'être abandonné aussi, hein, qui peuvent le conduire à ça et qui font que oui, voilà, il joue un rôle quand il est en relation avec telle personne, il en jouera un autre s'il est en relation avec telle autre personne, il endosse un petit peu comme ça des masques et des attitudes qui sont pas réellement qui il est, au point parfois qu'il peut se perdre lui-même en se demandant, bon, à force de jouer, à être comme ci, à être comme ça dans tel ou tel contexte avec telle ou telle personne, je me demande qui je suis vraiment, quoi. Donc ça peut être aussi une autre crise qui va venir à un moment donné le déstabiliser, mais l'amener à se recentrer sur lui aussi, hein. Donc ça, c'est une nécessité. Donc le mirage de la justice personnelle, donc là avec le complexe du justicier, on va avoir toutes les personnes qui tendent à imposer leur point de vue, leurs valeurs, leur conception sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, sur la façon d'amener une certaine forme de justice. Et donc bon, là c'est pareil, hein, il va se passer à un moment donné des crises pour dire que ben non, en fait ça fonctionne pas. Déjà, on peut pas imposer à d'autres personnes ce qu'on pense être juste, parce que si elles ne sont pas un minimum elles-mêmes dans la coopération, dans l'accord, elles vont peut-être faire semblant ou elles vont se révolter, mais elles vont pas intégrer, accepter et jouer le jeu complètement. Donc, et puis après, il y a aussi le fait que, ben, parce qu'on a des conceptions et des valeurs personnelles, la perception que l'on a de la justice correspond pas forcément à ce que l'autre va penser qui est juste de faire. Mais après, c'est hyper intéressant comme travail, justement, en termes d'évolution de la conscience, parce que ça amène à se poser des questions fondamentales, hein, sur ces notions de, comme je disais, hein, de justice, d'équité, d'égalité, d'intégrité, de respect de l'autre, d'écoute, de parole juste aussi, hein, la parole qui soit alignée, qui soit portée par. Par qui soit habité quelque part, hein. Donc oui, ça c'est des thèmes fondamentaux que travaille un porteur aussi de l'énergie balance et notamment avec Mars en balance parce qu'il va s'engager, il va y aller, hein, sur ces questions-là, donc il va y être confronté de toute façon. Donc la sursociabilité pour un porteur de Mars en balance, c'est-à-dire le fait en fait de chercher constamment à être avec des personnes parce que derrière il y a la peur d'être seul. Et donc ça va donner l'apparence d'avoir affaire à quelqu'un de très sociable, de très agréable, accommodant, voilà, hein, qui hein, c'est plutôt valoriser la sociabilité dans
dans nos sociétés, sauf qu'en fait, ben, derrière, encore une fois, ça peut être animé par une peur, hein, la peur de se retrouver seul. Et ça aussi, c'est souvent une crise que vont traverser les porteurs de l'énergie balance, c'est-à-dire le fait de devoir à un moment donné passer par des passages, des périodes de solitude. C'est une crise nécessaire pour ben, justement se recentrer aussi sur soi. Et un porteur de Mars en balance aura bien beau être dans une forme de fuite par rapport au fait de ne pas être seul. À un moment donné, il est fort probable qu'il n'en ait pas le choix. Voilà, il va devoir être confronté à ça. C'est vrai aussi que ce sont des personnes, j'aurais dû commencer par ça, hein, qui peuvent avoir beaucoup de mal à faire un choix, beaucoup de mal à prendre une décision, parce que c'est une énergie, la balance, hein, d'équilibre, donc de pondération, de réflexion, d'analyse calme et profonde. On compare les possibilités, on compare les options, on regarde les avantages, les inconvénients, hein, voilà, hein, on pèse les pour, les contre. Et quand on a fait tout ça, on n'est des fois pas plus avancé, hein, et ce qui fait qu'à à un moment donné, ben, soit on prend pas de décision, soit quand on veut prendre une décision, c'est trop tard. Il y a tellement de temps qui est passé que c'est trop tard. Hein. Un exemple tout bête. Hein. Tiens, j'ai remarqué telle tenue en vitrine dans un magasin. J'ai envie de me l'acheter, mais bon, je vais pas le faire sur un coup de tête. Hein. Je vais quand même réfléchir un peu. Je réfléchis. Je vais aller voir ailleurs. Je compare avec d'autres vêtements qui pourraient m'intéresser. Et puis finalement, j'arrive à prendre ma décision. Je me dis, ok, bon, c'est ça que je vais acheter. J'y vais. Puis tout a été vendu et il n'y a plus rien. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui peut se produire, mais avec d'autres aspects aussi, hein, qu'un simple achat de vêtements. Ça peut être même de s'engager avec une personne, de peser le pour et le contre, et puis finalement, cette personne n'est plus disponible, d'accepter un travail. Hein, on pose le pour et le contre, et finalement, quelqu'un d'autre a eu le poste. Donc voilà, il peut y avoir des situations comme ça où l'indécision, elle est telle que un porteur de Mars en balance, parce qu'il veut faire ce qui est juste, mais de façon trop extrême et de façon avec un émotionnel un peu trop puissant, n'arrive même plus à voir clairement ce qu'il veut vraiment, ce qui pourrait lui correspondre. Et c'est pour ça aussi que parfois, il doit se retrouver tout seul. Parce qu'au moins, quand il est seul, la décision ne lui appartiendra qu'à lui. Hein. Parce que quand on est en couple ou quand on est entouré par d'autres personnes, on peut aussi demander les avis des uns et des autres. Et en fin de compte, là, c'est pareil, on ne choisit pas vraiment soi-même, on laisse une autre personne choisir pour soi. Hein. Pour reprendre l'exemple des vêtements, ce serait la personne qui va demander à une amie, à un conjoint, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça m'irait bien? Donne-moi ton avis. Voilà. Et qui se laisse du coup influencer hein, par les avis extérieurs. C'est vrai que parfois ça peut aider hein, à prendre une décision adaptée, mais quand c'est excessif, ben en fait, on ne se rend pas compte, mais on se met en position un peu de passivité dans le fait d'avoir à décider. Et ça, c'est quelque chose qui ne participe pas à être l'acteur de sa vie. Hein, voilà, que l'on laisse une autre personne décider, que l'on laisse le temps décider, que l'on laisse la vie décider. Voilà, c'est. Si c'est pas soi qui prenons la décision, on n'est pas acteur en fait. Enfin, c'est aussi toutes les personnes qui attendent un signe et qui bougent pas tant qu'elles n'ont pas reçu un signe. Et puis ben, le jour où elles en ont un, elles ont l'impression qu'effectivement c'est ça qu'elles doivent faire. Mais déjà, est-ce qu'elles ont bien interprété le signe? Enfin voilà, qu'est-ce qui était vraiment le plus juste? Est-ce que c'est le signe qui va vraiment leur dire ce qui était adapté à faire? Donc, voilà, c'est aussi en permanence, le fait de rechercher à l'extérieur ce qui va être le moteur de la décision, ben ça va aussi conduire à des crises et ça peut mener à des passages par la solitude pour amener justement la personne à devoir elle-même prendre des décisions, elle-même trancher et des fois même se confronter à des choses pas très drôles avec des décisions importantes ou des responsabilités qu'elle aurait peut-être voulu éviter mais qu'elle n'aura de toute façon pas le choix de prendre parce qu'il y aura qu'elle pour le faire. En plus, ça reprend aussi le mirage de la vie qui décide, le mirage de l'égalité à la place de l'équité, ça, j'en ai parlé, le mirage de l'ordre et de la beauté formelle. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont très sur une apparence de la beauté, hein, des personnes qui vraiment, voilà,
vont surinvestir les apparences, le côté esthétique, le côté présentation, et qui vont pas forcément faire attention à la beauté intérieure, comme on dit. Hein. Après, ça peut donner aussi des formes de rejet hein, vis-à-vis des autres, hein, comme les personnes qui font ce qu'on appelle de la grossophobie, hein, qui n'aiment pas les personnes fortes parce que voilà, parce que pour elles c'est pas beau, c'est pas esthétiquement beau, mais en fait c'est voilà, s'attacher à une apparence extérieure, c'est pas considérer la personne telle qu'elle est dans sa totalité, et puis avoir des critères très personnels de ce qu'est la beauté. Et alors à l'inverse, hein, je disais, les personnes qui ont Mars en Balance, pour la plupart du temps, vont chercher à être dans le relationnel aux autres. Mais avec un Mars rétrograde, on peut avoir des personnes qui tiennent tellement à leur tranquillité que, au contraire, elles peuvent avoir tendance plutôt à se mettre un peu en retrait des relations sociales. Pas complètement, parce que sinon ça leur manquerait trop, mais à éviter, ou en tout cas à éviter dès que ça commence à devenir un peu tendu, compliqué. Voilà, c'est des personnes qui vont mettre la priorité sur leur tranquillité, leur sérénité intérieure, et qui vont éviter le contact avec les personnes ou avec des situations qui pourraient être conflictuelles. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se jeter à corps perdu dans les conflits, ça c'est l'autre côté de la balance, l'autre côté du plateau, mais c'est que, on est dans la question du juste équilibre, hein, c'est que entre éviter à tout prix des situations où il faudrait peut-être y aller un petit peu parce que on a peur effectivement de provoquer un conflit et d'être remué, hein, et de l'autre côté de jouer les justiciers et de se précipiter dès qu'il y a une injustice, et donc d'être dans des situations conflictuelles, il y a un juste équilibre, et c'est ça aussi que fait travailler hein, Mars en Balance, c'est la recherche de ce juste équilibre. Et donc tout ça, elle le développe grâce aux qualités de son signe complémentaire, le Bélier, qui déjà, ça c'est un point essentiel de la balance, le Bélier lui permet de remonter à ce qui est essentiel, c'est-à-dire de se poser des questions un peu basiques mais fondamentales pour pouvoir justement déterminer sa posture, son positionnement, de déterminer au nom de quoi elle va décider. Hein. Le Bélier, il remonte vraiment un peu à la source, il se pose la question de c'est quoi mon intention, c'est quoi ma motivation fondamentale, c'est quoi qui m'anime, voilà, fondamentalement. Et tant que la balance ne le fait pas, il va lui manquer quelque chose pour justement savoir comment se positionner dans les relations, savoir comment prendre une décision justement. Donc elle a tout intérêt à se poser des questions du style, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, fondamentalement? Qu'est-ce qui est juste, mais vraiment fondamentalement? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mon intention quand je dis ceci ou quand je fais cela ou quand j'hésite entre tel choix? Mais derrière, c'est quoi mon intention? Et ça lui permet donc d'éclaircir et peut-être aussi à un moment donné d'arrêter de se prendre la tête à trop réfléchir, et ce qui va l'amener à trancher. En plus, le Bélier, c'est quand même une puissante énergie de vie, c'est une énergie qui va de l'avant, qui, à l'inverse hein, de la balance, peut être trop impulsif, trop fonceur, trop centré aussi sur lui, et qui donc peut refuser d'écouter des avis autres que le sien. Il a cette énergie qui le pousse à avancer. Or, la balance, elle en a bien souvent besoin, parce que sinon elle va bouger, elle va être dans le mouvement, mais elle va pas forcément progresser, elle va pas forcément avancer. Donc le Bélier, c'est cette énergie de vie qui trace sa route, quoi, quelque part. Et ça lui permet aussi de se poser la question essentielle de l'alignement ou de la cohérence interne, qu'on appelle aussi la congruence, qui est en fait le fait d'aligner ce que l'on pense au fond de soi, vraiment, hein, ces pensées, c'est pas la pensée superficielle, hein, c'est encore une fois la question des intentions, des motifs, hein, des motivations profondes, donc aligner avec qui on est aussi, hein, fondamentalement, avec les besoins aussi profonds, hein, au-delà des désirs superficiels, c'est mes pensées, mes besoins et mes actions, hein, les actions que je vais du coup réaliser. Donc quand tout ça est aligné,
et ça peut être aussi aligné avec les propos, avec les paroles, à ce moment-là, la balance, elle a trouvé son axe et donc elle peut décider en conscience, elle peut s'exprimer avec d'autres en conscience, elle peut établir des coopérations, encore une fois, en conscience, sans non plus risquer de se perdre, d'être dans la suradaptabilité, de tomber dans des compromis, des concessions et donc de créer des fausses paix. Parce qu'elle a son axe, voilà. Elle a créé son axe, et une fois qu'elle a créé son axe, ben à ce moment-là, elle est ferme quelque part, hein, et elle est authentique aussi. Elle développe l'authenticité. Une personne qui a son axe, qui l'a trouvé, ça va se voir, et on va sentir qu'effectivement, quand elle dit quelque chose, c'est sincère, c'est authentique. Ça n'est pas forcément abrupt, blessant, etc. Parce que la balance reste plutôt un signe poli, courtois, voilà, qui n'a pas de désir de bousculer l'autre, mais voilà, c'est une personne qui peut dire non et qui va le dire de façon, encore une fois, dans son authenticité d'être, et ça va passer. Et si ça passe pas, l'autre sera pas forcément plus blessé que ça, à moins que, voilà, après, on peut avoir des personnalités très manipulatrices ou qui vont jouer aussi leur propre drama de leur côté. Mais ce sont des personnes qui peuvent tout à fait se faire comprendre par les autres et faire comprendre leur posture et leur positionnement parce qu'elles sont claires avec elles-mêmes. Et du coup, comme elles sont claires avec elles-mêmes, elles sont claires avec les autres. Et ça en fait aussi des personnes qui, à ce stade-là, sont vraiment capables de passer et de bien s'entendre avec des personnes on va dire très différentes, y compris des personnes qui sont pas faciles, qui peuvent avoir des caractères assez délicats à gérer. Et en fait, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont dans leur cohérence et congruence interne, et ça, tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'être du signe de la balance, en fait, elles dégagent une énergie qui est l'énergie de paix, quelque part. Elles sont dans une tranquillité d'être, et du coup, ça peut venir toucher, hein, les personnes qui vont se retrouver en contact avec la personne qui a travaillé sa cohérence interne. Donc voilà, c'est les grandes clés vraiment du bélier, hein. Donc comme je le disais, le passage aussi par la solitude, alors qu'il soit forcé ou qu'il soit choisi à un moment donné, ben justement pour se retrouver, pour se mettre dans son axe, pour se recentrer sur soi. Ce sont des personnes qui auraient intérêt aussi, même dans des relations de couple très 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 épanouissantes, très équilibrées, à avoir quand même un peu leur sphère personnelle, c'est-à-dire au moins une activité qu'elles ne vont pas faire avec leur conjoint ou qui ne dépend pas de leur conjoint, leur truc à elles. Voilà, ça aussi c'est le bélier, hein. J'ai ma sphère à moi. Parce qu'au moins c'est quelque chose qui lui appartiendra, qui lui appartiendra en propre, même si après pour tout le reste ils font tout ensemble, hein, mais qu'il y ait au moins un aspect d'un loisir, d'une activité, d'un investissement dans une association ou autre qui corresponde uniquement à cette personne-là. La communication étant très importante pour la balance, elle a tout intérêt à surveiller sa façon de communiquer. C'est là aussi où remonter à l'essentiel, hein, et donc pratiquer l'alignement, hein, c'est important. Parce que soit on peut avoir des personnes au départ, hein, qui parlent beaucoup, trop, hein, comme avec un Mars en Gémeaux, on a des personnes qui peuvent être très bavardes, qui peuvent avoir du mal à garder un secret, qui peuvent avoir du mal à dire les choses justement, donc ils peuvent être un peu maladroits parfois dans leurs propos, ou on peut avoir des personnes qui ne savent pas assez écouter, comme je le disais, lorsqu'il y a peut-être un conflit entre deux personnes et qu'elles interviennent, voilà, bien déjà faire un état des lieux et prendre le temps d'écouter les deux parties avant de se faire un avis quelconque, hein, en retenir vraiment son jugement, et aussi parce que le fait de bien communiquer, enfin de chercher à bien communiquer, donc de cultiver le côté essentiel du bélier, ça leur permet d'éviter de s'éparpiller dans leurs propos, hein. C'est des personnes qui parfois sont pas toujours faciles à suivre parce qu'elles vont peut-être passer d'un sujet à un autre et leur propos peut paraître un peu discontinu. Alors voilà, on se demande où est le fil conducteur, on se demande parfois où elles veulent en venir. Et donc avec le bélier, il y a bon ben voilà, j'ai mon fil, j'ai l'essentiel. Donc même si j'en parle
pas mal, je perds pas mon cap et j'arrive à dire ce que j'avais à dire. Donc savoir quand parler, quand se taire, à qui parler, à qui ne rien dire ou à qui dire que certaines choses, savoir également quand alterner écoute et parole. La communication, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant hein, dans les relations humaines. Et un porteur de l'énergie balance est prédisposé, quel que soit son domaine professionnel et son type de métier, à faire usage de la communication. Donc il a tout intérêt à la travailler en conscience, hein, à travailler en conscience sa capacité, encore une fois, à communiquer de la façon la plus juste et la plus cohérente possible. Après, il gagnerait aussi, mais c'est pas évident, hein, à pratiquer l'improvisation. Et parfois à être un peu comme le bélier, à suivre des envies sur un coup de tête, pour sortir de sa zone de confort, pour prendre aussi un risque. Hein, les balances peuvent être des fois trop prudentes, hein, trop réfléchir. Et donc parfois effectivement dire bon là j'ai envie d'un truc, c'est peut-être un peu fou, mais allez j'y vais. Voilà, juste pour se mettre un peu au défi. Hein, il ne s'agit pas qu'elle devienne comme le bélier, mais pour essayer de tester autre chose et du coup enrichir aussi leur personnalité. Et accepter aussi que tout ordre est momentané, tout ordre construit est momentané et qu'à un moment donné, il va falloir passer par des phases de désordre, par des phases de chaos pour aller vers un ordre supérieur. Ça, c'est vraiment une des grandes leçons de la balance, hein, de dire que, ok, on a peut-être construit un équilibre, hein, un équilibre par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport au lieu de vie, par rapport à ses habitudes, à ses rythmes, etc., mais que n'empêche que ça ne peut pas durer éternellement. C'est pas dans l'ordre des choses que ça dure éternellement. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une situation de, entre guillemets, de désordre, c'est-à-dire que l'équilibre construit va changer. Hein, même si, par exemple, dans une famille, tout se passe très bien, à un moment donné, les enfants vont partir du foyer familial. Et ça, forcément, ça détruit, si je puis dire, un certain équilibre qui a été construit. Hein, la cellule familiale bouge. Et donc, il va falloir reconstruire un autre équilibre derrière. Et puis après, vous avez ben, voilà, tous les couples qui se séparent, les personnes qui rencontrent une autre personne alors qu'elles sont en couple. Enfin voilà, il y a toutes ces situations-là, et même professionnellement. Hein, le fait qu'à un moment donné, ben oui, on est peut-être très bien dans un travail, on s'épanouit dans ce qu'on fait, mais il se peut qu'à un moment donné, ça soit plus le cas. On a fait le tour, on s'ennuie, on a un souci de santé, on peut plus faire ce qu'on faisait. Un autre élément, une autre personne arrive et vient semer aussi un certain désordre ou perturber tout simplement l'équilibre en place. Et donc tout ça, quand on est du signe de la balance, quand on a Mars en balance, on peut être très sensible, mais des fois on peut trop s'accrocher à l'ordre établi et pas voir que effectivement, passer par une phase un peu de chaos, ça fait partie de la vie et ça peut même être enrichissant de dire à un moment donné bon ben là voilà on passe à autre chose. Donc oui, il va y avoir ça va bouger, ça va peut-être pas toujours facile, mais il peut en ressortir un ordre supérieur. C'est pour reprendre l'exemple des familles où les enfants s'en vont, c'est les couples qui arrivent à se retrouver une fois qu'ils sont plus que tous les deux, que le dernier enfant a quitté le foyer, et qui se retrouvent vraiment en tant que couple une fois que les enfants ont pris leur indépendance. Que peut devenir après tout ça et tout ce travail un porteur de Mars en balance? Donc c'est vraiment la personne qui est en capacité, dans quelque domaine que ce soit, de quelque façon que ce soit, à créer plus d'harmonie, d'équilibre, d'équité, à régler des conflits, ou en tout cas à intervenir comme médiateur dans des conflits. Mais encore une fois, ça on peut le faire, mais de façon, on va dire, inférieure, on va a priori régler un conflit. Hein, si vous prenez à l'échelle d'un pays, des conflits, vous en avez tout le temps. Hein, on le voit avec les grèves, les manifestations, etc. Hein, ça touche un peu toutes les professions. Après, il y en a certaines qui reviennent peut-être plus souvent que d'autres, peut-être parce qu'ils sont plus mal lotis, hein, je ne sais pas. Et donc, à un moment donné, vous avez l'impression que voilà, bon ben voilà, le conflit s'arrête, les manifestations s'arrêtent, et ça va reprendre quelques temps plus tard, parce que en fin de compte, il y a eu peut-être un règlement, mais superficiel, si les causes profondes n'ont pas été travaillées. Et donc, en fait, il y a une fausse
paix qui a été, encore une fois, basée sur des compromis, des concessions. On donne un peu de ça, vous nous donnez un peu de ça, vous lâchez du lest là. Et donc, en fait, on crée des situations où, en fait, on fait croire que c'est bon, c'est réglé, alors qu'en fait, dans quelque temps, il suffira qu'il y ait à nouveau le feu aux poudres, une situation particulière, et ça va être reparti de plus belle. Or, effectivement, un porteur de Mars en balance peut avoir à explorer tous ces niveaux-là pour arriver finalement à comprendre comment créer des paix, une paix qui soit une paix qui fonctionne vraiment. Et pour ça, il faut passer par la question des justes relations. Hein, la paix, c'est une conséquence, c'est le bout du chemin. C'est ce qui se produit lorsque on a travaillé sur les causes du problème, on les a identifiées, on a réajusté ce qui était donc déséquilibré, ce qui n'était pas harmonieux. On n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde, parce que le but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde, c'est de faire ce qui est juste. Et à partir de là, on a trouvé des solutions qui allaient tenir. Je dis pas éternellement, hein, mais qui vont tenir. Alors, c'est pas facile. J'ai pas forcément de clés ou de conseils à donner là-dessus. Mais voilà, c'est un travail que peut faire un porteur d'énergie balance, Mars en balance, mais aussi Jupiter en balance, ascendant balance. Enfin, voilà. Et on a besoin de personnes comme ça, hein, qui s'investissent pour apporter vraiment la paix, hein, encore une fois. Donc, tous ceux qui savent aussi équilibrer réflexion et action, après, on est sur toutes les formes d'équilibre, hein, donc l'équilibre entre repos et activité, entre réflexion et action, hein, savoir voilà, quand on passe de l'un à l'autre, combien de temps on passe sur l'un, combien de temps on passe sur l'autre. Donc, c'est vraiment des personnes qui savent créer l'équilibre et qui savent. Qui savent rester dans une justesse et encore une fois dans un alignement qui fait que quelque part, du coup, tout est fluidifié et tout se passe, tout circule bien quelque part. Donc, ils peuvent devenir des médiateurs des relations justes. Ils savent aussi percevoir la véritable beauté. Comme je le disais au départ, c'est un peu la beauté apparente, formelle. L'esthétique comme ça, mais il y a une beauté qui est plus profonde, hein. Il y a la beauté d'une personnalité, il y a la beauté même des fois de potentialité. Une situation peut sembler mal barrée ou moche a priori, mais elle peut cacher une beauté. Et un porteur de Mars en balance, tout comme un porteur de Mars en scorpion, peut percevoir le potentiel qui est caché et donc révéler la beauté. Un peu comme un sculpteur qui d'un simple bloc de pierre va faire une création magnifique, hein, voilà. C'est révéler la beauté qui était cachée dans ce qui paraissait un peu, voilà, brut de décoffrage. La capacité à s'exprimer donc de manière juste, ça j'en ai parlé aussi, donc l'alignement et la cohérence interne, la congruence. Après, c'est ceux qui du coup vont repérer tout de suite, hein, quand une personne, en fait, elle n'est pas alignée. Elle n'est pas dans sa congruence. C'est un peu comme une note qui sonnerait faux. Hein. Il me dit un truc là, mais non, ça sonne pas juste. Donc, soit c'est pas ce qu'il pense, soit ce qu'il me dit, en fait, il agit pas comme il me dit qu'il agit, en fait. Donc voilà, c'est de le percevoir un peu intuitivement et éventuellement, de pouvoir aussi, là c'est pareil, il faut après que ce soit accepter, voire encouragé par d'autres, mais contribuer à apporter plus de cohérence et d'alignement interne. Ça peut être des personnes qui aident d'autres personnes à s'aligner, parce que c'est pas si facile que ça, hein, d'être aligné. Ça veut dire aussi qu'on a un niveau de conscience qui est quand même assez clair pour savoir ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment. Et ça, c'est pas du tout évident de savoir ce qu'on veut vraiment. Donc, capacité aussi à amener un ordre supérieur, à révolutionner, hein, Balance et Verseau, on a affaire à des signes de révolutionnaires. Et donc, c'est les temps un peu, comme je le disais, hein, d'équilibre, d'ordre et puis de chaos, et puis après d'ordre supérieur, et donc le passage par la révolution. Après, il y a aussi une qualité que je trouve très intéressante avec la balance, c'est la capacité à s'harmoniser au rythme. C'est-à-dire, et pour moi, enfin, le côté mouvement de la balance évoque vraiment ça. C'est-à-dire que tout est rythme, tout est une question vraiment de temps. Hein, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son temps. Et comme vous avez vos rythmes, on a nos rythmes biologiques, nos rythmes internes, hein, on a notre horloge biologique.
Il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour se reposer, il y a un moment pour être actif, il y a un moment pour peut-être manger plutôt tel aliment et un autre moment dans l'année pour manger tel autre aliment, etc. Donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mouvement interne et biologie interne. Mais il y a aussi le mouvement qui est lié au passage des saisons, les rythmes qui sont même liés au cycle planétaire, par exemple. Et puis, enfin voilà, tout est rythme. Hein. Enfin, je pense que je suis même pas capable de citer la moitié des rythmes qui sont présents autour de nous, en nous. Et donc, effectivement, un porteur de Mars en balance, c'est vraiment celui qui, pareil avec Jupiter ou l'ascendant balance, qui peut à un moment donné s'harmoniser avec, alors ça fait un peu grandiose, hein, mais s'harmoniser avec les rythmes de l'univers. Et donc, sa vie devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de passage en force ou au contraire de lenteur exagérée. Tout se fait au temps juste, au moment juste. Hein, c'est la personne qui va savoir à quel moment, je ne sais pas, changer de travail par exemple, et elle va le faire au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est la personne qui va savoir ben, à quel moment c'est bien qu'elle soit seule et à quel moment c'est bien qu'elle soit avec d'autres. Ou plutôt c'est juste que c'est bien. Donc voilà, il y a une espèce d'harmonie naturelle et ça, c'est un pouvoir de la balance qui est un vrai pouvoir, mais qui est pas, je trouve, suffisamment mis en avant, que cette capacité à être dans les rythmes, à être. Bah, c'est comme un danseur qui danse vraiment en fonction du rythme de la musique et ça devient beau, ça devient, ça magnifie en même temps la musique, ça magnifie le corps humain, ça magnifie le mouvement et ça paraît, enfin, ça paraît en même temps très naturel, très fluide. Donc ça fait partie des capacités que porte la balance et que peut manifester un porteur de Mars en balance qui aura travaillé tout ça. Pendant peut-être un petit moment. Après, c'est tous ceux aussi qui savent créer des alliances et des partenariats justes, équilibrés, bénéfiques pour toutes les parties impliquées, hein, parce que parfois on peut signer un partenariat puis ça se passe très mal, hein, entre les personnes qui sont pas fiables, entre les personnes qui s'investissent moins que d'autres, etc. Donc voilà, tous les partenariats ne sont pas porteurs, et donc un porteur de Mars en balance peut, parce qu'il aura aussi vécu des expériences pas toujours évidentes à ce niveau-là, mais apprendre à développer des partenariats justes. On en revient à l'histoire du bélier, hein, c'est pouvoir remonter à l'essentiel, à identifier ses motivations, les motivations de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on se met ensemble, qu'on crée ce partenariat-là, qu'est-ce qu'on attend, à quel niveau on va chacun s'y investir, quelles sont nos capacités, qu'est-ce qu'on peut apporter, enfin voilà, c'est se poser des questions essentielles avant même de créer le partenariat pour s'assurer un minimum que ça se passe, ce que ça se passe au mieux. Puis après, il y a toujours une part d'intuition, hein, de sentir que ça peut le faire avec telle ou telle personne et pas avec telle autre. Alors peut-être pas sur telle affaire, peut-être sur telle autre affaire, enfin voilà. Donc la capacité, comme je disais aussi, à se montrer authentique dans toutes les situations et du coup à bien passer avec tout le monde, même quand il va falloir s'opposer, dire non, dire qu'on n'est pas d'accord, mais ça peut bien passer avec tout le monde et du coup ça peut aussi complètement dédramatiser des situations conflictuelles ou des situations dont la tension monterait. Ça peut permettre voilà, de diffuser des tensions aussi, faire en sorte que ben, ça baisse d'un coup. Parce qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de recherche de passage en force, mais il y a, voilà, je suis qui je suis, je te comprends, je t'accepte dans qui tu es, maintenant, voilà, on avance ensemble, quoi. Donc, capacité à incarner des qualités, hein, telles que la grâce, l'élégance, à en être aussi les porteurs, quelque part. Et puis c'est tout, voilà, parce qu'après, je me répète, donc je vais arrêter là. Donc voilà pour Mars en balance. Donc encore une fois, c'est une histoire de cheminement et donc d'expérience avec son lot de frustrations, d'échecs et puis de virages hein, à dissiper. Mais c'est vraiment ce qui peut être dans le potentiel d'un porteur de Mars en balance. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite des vidéos.